Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Après plus d'un mois d'absence, je vous retrouve enfin pour une raison que je n'avais absolument pas prévue. Je dépasse les 1000 abonnés et même plus encore les 1300 abonnés. Dingue, c'est absolument infime, mais pour moi c'est déjà énorme puisque pendant mon absence, on est passé de 900 à 1300 abonnés. C'est juste dingue. Parce que ça m'a pris un an pile pour avoir 400 abonnés, puis deux mois pour avoir 400 abonnés, et ensuite un mois pour avoir 400 abonnés de plus. C'est incroyable. En plus, je reçois des messages à chaque vidéo pour me remercier et pour dire que je mérite plus d'abonnés. Juste pour la qualité du travail que je vous donne, eh bien, la chaîne grandit de plus en plus vite et je vous en remercie. C'est aussi grâce à vous qui vous abonnez, qui partagez les vidéos, mettez des commentaires et aimez toutes les vidéos que je publie. Et plus il y a d'abonnés, plus ça me pousse à faire des vidéos de meilleure qualité. Merci aux abonnés et aux 300 personnes qui se sont abonnées pendant ce moment d'absence. Vous êtes les bienvenus. Votre présence ici est un véritable plaisir. Alors, on n'a pas eu l'occasion de parler, c'est vrai, mais désormais, on va pouvoir le faire dans les commentaires, dans vos messages privés ou encore au téléphone, puisque certains m'appellent. À vous les premiers et à vous les derniers abonnés, j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent, qu'à chaque vidéo vous ressentez les progrès, que vous sentez que vous devenez meilleur, que vous voyez votre propre évolution. Merci à ceux qui me suivent sur les autres réseaux, Facebook, Pinterest ou encore Instagram. Merci pour vos encouragements. Non, en fait, merci pour tout. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore un long chemin à parcourir avant que je transforme tous les habitants de cette terre entière en de véritables passionnés du dessin. Bref, merci et merci encore. Eh bien, qu'est-ce que je faisais en réalité pendant ces dernières semaines ? Croyez-moi, j'étais pas du tout en vacances. Vous savez, tous ces tutoriels que je vous offre avec grand plaisir sur YouTube, ce sont, comme vous le dites, de très bonne qualité. Mais il y a un petit souci dans toutes ces vidéos. Le petit souci, c'est que ça reste la base de ce que vous devez apprendre quand vous dessinez. Alors oui, vous allez progresser parce que j'essaie de vous apporter un maximum de connaissances pour que vous deveniez meilleur et que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire avec vos dessins. Sur YouTube, je me suis dit que mes vidéos ne devaient pas être trop longues, que je ne devais pas passer trop de temps sur un sujet comme la série sur le corps humain qui a été faite en 4 vidéos ou celle sur les valeurs qui a aussi été faite en 4 vidéos. Je suis même certain que vous avez énormément progressé grâce à ça. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous prenez des cours de dessin pour le simple plaisir, ou pour d'autres personnes, vous le faites parce que c'est votre passion et que vous avez envie de vivre de votre passion, d'être connu pour les œuvres que vous faites. Et pour moi, dans ces deux cas, ce serait un véritable honneur et un véritable plaisir que grâce à mes vidéos, vous puissiez atteindre vos objectifs dans ce domaine. C'est pour cette raison que pendant ce mois d'absence, je vous ai réalisé des formations véritablement complète sur les techniques de dessin, sur le corps humain, sur le portrait et sur les techniques de valeur. Comme ce sont des formations, j'ai pu vous mettre toutes les informations que vous devez connaître et que vous devez utiliser dans vos dessins pour réaliser de véritables chefs-d'œuvre. Là, il ne s'agit pas de dessiner les bases du dessin, mais de véritablement produire un dessin que vous pourrez accrocher dans votre salon et le présenter à tout votre entourage. Il s'agit de réaliser des dessins que vous pourrez revendre. Il s'agit de réaliser des dessins que vous pourrez exposer. Et je ne sais pas quoi encore. Peu importe ce que vous voulez faire de vos œuvres. Grâce aux formations que j'ai réalisées pour vous, vous aurez toutes les connaissances et toute la pratique pour atteindre les objectifs que vous voulez. Pour atteindre le rêve que vous voulez. Pensez-y. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de vos dessins? Est-ce que vous êtes frustré que vos dessins ne soient pas aussi bons que ce que vous le souhaitez?
C'est tout à fait normal puisque moi aussi, je ressentais la même chose et je pense qu'on ressent tous la même chose, toute cette frustration en nous quand on n'est pas assez bon dans un domaine. Sauf que là, ça m'a pris énormément de temps de travail, mais je vous ai réalisé les meilleures formations de dessin que vous puissiez avoir. Vous allez absolument tout apprendre sur les meilleures bases en dessin. Comment rendre votre dessin vivant? Comment dessiner les meilleures ombres et lumières pour que vos personnages et vos illustrations ressemblent à de véritables chefs-d'œuvre? Je vous offre là toutes les compétences, toute l'expérience que j'ai pu accumuler durant toutes les années de dessin, toute l'expérience de mes profs, des livres que j'ai pu lire, de mes propres expériences à moi. Je vous donne absolument tout, tout dans ces formations. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous et rejoignez-moi pour transformer vos dessins en chefs-d'œuvre. Je vous retrouve de l'autre côté. Excellente journée à vous. Ciao.